chaque seconde est comptée. Nous sommes vraiment pied d'œuvre d'heure en heure. En fait, la bonne nouvelle, c'est que le RERV pour la région a été acté. Et là, on va le réaliser sous forme temporaire. On appelle ça d'ailleurs le temporaire V. Et bah, il nous reste quelques jours, quelques semaines jusqu'au 11 mai, où on a encore la possibilité de le mettre en place de façon relativement facile parce que le trafic motorisé a chuté de 90%. Nous devons absolument mettre en place une carte qui va très, très rapidement indiquer à tous les habitants où ils peuvent se déplacer en sécurité, à vélo. On a choisi avec nos spécialistes et la région des itinéraires qui vont le long des axes de transport public les plus saturés. Et là, je pense au RER A, B et D et aussi la ligne 13 du métro. Et c'est donc là, surtout en priorité, que nous allons mettre en place des itinéraires cyclables, des pistes cyclables temporaires pour permettre aux habitants de découvrir leur chemin à vélo et de le faire avec une distanciation sociale appropriée.